Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout fanatique Bio, bonsoir tout fanatique Takotak. Samedi 17 octobre 2020, m'espérez n'a pas son bon et début de week-end avec Bio, avec le Takotak. Je dis à moi retourner. Hier, moi j'ai une obligation de faire un pas de cas avec nous, mais nous avons Robertson Pelissier qui était bien qu'un pour nous. Hier, on fait un petit suivre live là. On petit temps. Et avant moi participer à l'engagement de gagner. Moi gen Grégory qui a commencé l'émission avec Paul Souout, Paul gen pour vini. Grégory, comment y bonsoir fanatique, bonsoir Yabi et Nolan, nous content gen encore et wap de font bon travail ya. Et nous te manko on prend mais wap de bien rempli l'émission ni. Et je dis là et c'est week-end ni et nous va parler boule je dis à fait fanatique yo. Et me connais que gen pile question pour nous. Et nous me fait avec un pile plaisir que n'a pris pour une question yo et puis bye un pile plaisir parce que c'est ça fanatique yo. Mais c'est nous même c'est interaction que nous aimons donc toute question que nous gagne voyez yo vini fanatique yo et me connais Billy même a fait excellent travail dans les questions yo et puis pour nous satisfaire Jean nous doit satisfaire là et yeah. Bon Jean nous capable monsieur Polo pas là donc et puis elle vient prendre ta queue. Ah, pour le fait texte moi là, il dit la brette connien là, la monte connien là. Et bonsoir James, James Etienne, bonsoir Mangura. Et Jean-Charles Jonathan, bonsoir. Bonsoir avec tout le monde qui est avec nous là qui commence l'émission avec là et m'a commencé avec et on tient actualité. Et la match pour là. Et Grégory, faut oui, all right. L'actualité dans le monde sport là, jeudi a gagné Zin et Zin m'a dit gagné pendant que m'a prend pour là qu'on y a là qui a monté avec nous. Et Zin m'a dit qu'il gagné jeudi a li concerné deux gotoro dans le championnat espagnol. Bonsoir Paul, avant de commencer ou bienvenue là commence son émission. Comment est là Paul avant de commencer? Et c'est gros rendez-vous et c'est jeudi à jeu fanatique yo donc Greg a bon petit souffle tout petit mais nous là Greg comment est Greg a taclo là pendant pas là mais on connaît même pas taclo non mine de rien la émission hier vous et tac sous nous tous les deux la commentaire et la Neymar Neymar c'est l'enfoui travail il a blessé Paul donc m'ba voir c'est avec fantaisie il a pété blessé donc même m'ba fin trop comme là m'ba d'accord tout non et Herbi vraiment pas d'accord avec ça et moi ouais gon tendance critiquer Neymar et le fait que la fait fantaisie qui a fait pour lui bon me dire on connaît comparaison on ti Jean Grégis oui on va faire comparaison Grégis Grégo m'en parlant c'est comme si ou t'as envie accuser une fille violée parce qu'elle met ton petit bijou moi pas supporter l'idée ça veut dire que fille gagne droit met petit bijou gagne droit à l'école mais ça pas bon en raison pour que ou ça pas bon raison pour que ou attaquer lui et kounya là Neymar n'a fait fantaisie mais si ou même moi fait anti jeu sur lui. Moi pas supporter. C'est vrai qu'on moun a toujours joué physique à Neymar, mais en pile fois dans le championnat français, c'est pas physique. C'est il a laissé KO monsieur même et très souvent il a dit bon oui, je vais essayer humilier nous etc. Moi j'ai battu pour pas après humiliation. Mais gros bagarre tout, mais avec ta talent Neymar et puis et talent Neymar fait nous obliger très dur avec elle. Donc ça son bagage que moi-même moi pour ouais Neymar avec talent Neymar avec ça que monsieur promet monsieur supposé à répondre même j'ai nous dû sous Messi même j'ai nous dû sous Cristiano Ronaldo nous censé qu'embé Neymar la même standard là à cause de talent monsieur et puis potentiel que monsieur montré ça me d'accord avec et en termes de jugement et de standard nous supposé bah monsieur mettez même standard là pour nèg ça pour monsieur par rapport à talent monsieur vraiment dans parti ça me d'accord avec m'pas besoin bon qu'il tac dans parti ça ou correct dans parti ça mais mon ba encore moi voir aller bien qu'est-ce que tu dis ah mon cher moi
Grégory, faut me dire attendez encore parce que deux bagailles parce que c'est entre deux c'est des autres activités avec live là donc il y a deux bagailles comme c'est qui passe me dit ça Grégory même là sont m'obligé bye but m'a promettre nous pendant semaine là m'gain pour m'attendre émission full et pour me rebailler tac yo. Non mais pour continuer dans cause Neymar comme si c'est pas faire fantaisie hein. Moi-même je m'a pas de problème qu'on joue faire fantaisie. Ronaldinho te kon fè fantasy nan jwèt li. Romario te kon fè fantasy nan jwèt li. R9 te kon fè fantasy nan jwèt li. Et ou comprenn? Et pa gen problème pou fè fantasy a. Mais lè ou baze jwè tout sou fantasy an, comme si ou provoke adversaire nan comme si avec fantasy a. Comme si ou ka jwè sérieux, mais comme si lò sou terrain nou pa wè sérieux an, comme si lè pou sérieux tout bon vrai parce que le R9 sérieux, bon, excusez-moi, déjà prends exemple ça parce que c'est joueur ça qui vient dans tête. Mais le R9 sérieux, nous on ça le bail le sérieux. Vous comprenez? Et pas un problème que la petite Nike Lee ou du moins comme Sindazo la petite bagaille pas bon d'ailleurs parce que jamais c'est bail balle. Mais le regarder par exemple Jean Digne lui-même a joué. Vous comprenez? Mais où est que comme Sindazo le moment sérieux est arrivé? Il est sérieux. Mais Neymar lui-même c'est comme si Sindazou, ok, m'a joué football là, m'a pris plaisir, vous comprendre, et m'a pas problème avec pour prendre plaisir, mais hey, c'est une compétition à peu, c'est bien on besoin gagner, sous besoin gagner donc bon façon comme si Sindazou pour jouer, vous comprenez, c'est pas qu'à tout comme Sindazou c'est fantaisie, comme Sindazou c'est pour abdomino, il pas fait ça. Donc Jean-Noël là, gien en pile bagay qui t'a dit gien les gens pile bagay qui gien pour dire toujours selon sujet yo mais compliment Rob men, m'content travail là men et nous ka toujours gien pile fanatique qui t'a plein. Gien bagay qui ka améliorer, c'est certain gien bagay qui ka améliorer parce que Rob, monsieur c'est apprendre là-bas apprendre tout même j'ai avec nous mais et l'homme de fait commencer m'bat bon, m'ka dit m'bat aussi avancé que j'aime dire la kounya là mais Kounya et nous plus ou moins on maîtrise nous ka toujours travailler avec Rob tout pour le futur. Donc et nèg commence en live la sérieux là Mangura qui t'a parlé de causer parce que nous gen rumeur et CP3 Chris Paul et qui on dirait qui ka peut-être aller Lakers même Mbokowel pour qui ça Mbokowel là parce que fuck Lakers by en pile pour yo prendre CP3 en CP3 qui est en avancé dans l'âge qui susceptible à blessure. Donc moi pour quoi et 100% que Lakers poil hypothéqué on bon quantité dans role player même le nèg yo besoin changer vrai oui même penser pour quantité moun combat de 6 joueurs et yo dit rumeur qui ka fait contrat et si bitu a marché pour Lakers moi trouver que la antigen 3 et la il y a un risque là mon risque qui pas trop calculer m'pas quoi que Rob Pelinka t'a pral fait bagage ça juste pour le principe tout m'pas connait qui ça que nous même nous dit sur ça nous même oui parce que là regardez parce que premièrement si c'est 35 ans si je ne m'abuse 35 ans 40 millions de dollars là donc imaginez que il se 85 millions de dollars sur les prochaines années là. Donc 85 millions de dollars c'est pas pour monsieur n'a pas de 11 t'as touché 40 millions l'année prochaine et puis 45 millions la prochaine et la saison d'après. Ouais. Et non seulement les 35 ans, mais nous connaissons que City plus tout comme si son joueur qui vient de se blesser tout. Donc lors du moment où on a joué au Real Kuzma, au Real Green, au Real et on a déblayé 50 minutes ou encore Wando dans nos côtés. Non pas Wando, c'est moi Kuzma faut tirer ces sons là de bruit. C'est Kuzma, moi Danny Green, moi ouais et JaVale McGee et qui est encore et Quinn Cook avec pick
mwen gen de lot jwa ke mwen kwen mwen bliye tou, pou dosye sa. Men, mba kwen ke Lakers ta suppose ap entretenu. Mba se gen pi bon pis ke Lakers te kalde. Si yo ta fè tout sa pou CP2, mba se ke Bradley Beal te ka an meyo opsyon lan sa. Mba konen sa di polo. Mwen da kon ansama avèk nou nan sens. Mwen e pou CP3 on jen CP3 maybe mwen te ka fè sa. Men CP3 ki gen jodi an la avèk le da mwen deja remè LeBron James nan post point guard. E post point guard avèk Rondo kom backup point guard. Pa bliye ke nou gen yon proje kom si se bon proje nou pral gen la kom si mda di pou yo pral monton ekip ki gen gwo problèm. Son ekip ki fè fin champion. C'est vrai que l'autre année bagala pour ti gens augmente niveau pour ti gens augmenter vrai dans conférence ouest là dans toute NBA mais retire tout joueur ça pour CP3 pour 2 ans encore qui a opté en vend dernière année ça veut dire que c'est trop gambo ou ca faire pour Anthony Davis parce que Anthony Davis jeune monsieur qui a bon on 5 ans dans équipe là on t'a dit que monsieur aussi à Lakers même si tu as signé 2 ans ou bien 3 ans ou style gain monsieur avec une opportunité pour champion dans deux prochaines années qui gagne yo ka vini yo et ou ka mettre moun bon monsieur pour encourager prolonger ensemble avec ou qui différent pour CP3 même si CP3 t'a vérité mais son est qui dans fin de carrière li son est qui sous pente descendant tant que Jean Greg te dit et prend monsieur mettre dans Lakers et ou pral mettre comme backup point guard à LeBron James ou bien changer LeBron James poste pour rentrer monsieur dans starting five là. Mm-hmm. Oui, mais maintenant kounya ki quantité mon nous pral parce que c'est si vous fait signe yo fait ça, yo pral besoin paquet contrat probablement vétéran encore et ça veut dire que pour mettre beaucoup de ça yo et c'est une équipe qui c'est vrai capable bonne opportunité pour champion deux prochaines années yo, mais son équipe tout a hypothéqué avenir li pour n'importe 10 ans 15 ans. Yeah. Et ça me pas penser que son bon mouvelier li pas pour moi même li pas un bagaille et comme des capable dit smart pour yo ta fait et même si c'est pour deux prochaines années ou pour titre parce que moi crois que gain l'autre secteur Lakers ka améliorer sans que le pou obligé bah tout monde ça yo pendant que li rete un gros prétendant pour titre là ou si te Bradley Beal son option et moi même pas mal un gros joueur gain deux joueurs ka prend là qui capable par exemple bon pour vous c'est vrai que par exemple des joueurs tant que Tyler Hero des joueurs tant que Duncan Robinson nous pas connait mais au jeune opportunité yo avec NBA que je dis moi si vous capable jeune de bon shooter ou mettez le bon Anthony Davis qui capable ba ou de meilleurs résultats pendant qu'aucun Rondo grand monde le bon grand monde nous fait place pour des jeunes dans 3 4 années qui viennent là yo, mais ou pas obligé à non si puis tout pas vaut la peine pour craser équipe là dans état ça pour mettre beaucoup de monsieur ça. Yep. Et puis bon et gon joueur que moi même pile qui joue dans l'équipe moi et game one moi qui lance non c'est Buddy Hield ça même son joueur très apprécié m'apprécie capacité monsieur gain avec facilité monsieur gain pour shooter 3 points et range monsieur c'est Steph Curry by mien comme ça brille monsieur monsieur sorti monsieur natif de Bahamas Buddy Hield. Mais monsieur shooté 3 points et monsieur shooté 3 points très bien. Carrière monsieur au-dessus de 37 ou bien 38% dans carrière, approché 40% même. Donc ça son piste qui est intéressante. Moi pensais que les Lakers étaient à explorer Buddy Hield qui pas vérité Sacramento qu'on y a là et les Lakers besoin améliorer second unit yo slash et shooting guard position yo starting shooting guard position et Buddy Hield était capable un bon choix. Et Ryan Brown, monsieur pose une question là, monsieur dit il a envie de nous faire deux équipes basket pour lui, 5 blacks contre 5 blancs de tous les temps. Et qui 5 cap pi bon d'après nous-mêmes. Ou pas la vague goy. Ou met à l'envers. Mais et nan 5 blanc et wow, 5 blanc évidemment me connaît et non mais est-ce que l'an blanc est-ce que nous dit est-ce que n'a dit européen n'a compté l'an blanc bah oui européen
Oui, la pointe européenne blanc, et pas white, bon, ou blanc américain. Et ça me da réfléchir, est-ce que c'est blanc américain ou bien européen contre tout, donc, ok. Et Vlad Divac comme center, et comme forward, comme shooting, ok. Premièrement, m'a dit, point guard blanc, évidemment, m'a gagné et John Stockton, comme point guard, comme shooting guard, m'a gagné Jerry West. Comme forward, m'a gagné Larry Bird. Larry Bird. Comme forward, m'a gagné Dirk Nowitzki. Et puis comme center, m'a gagné Vlad Divac. Ok, m'a gagné lui. Yes, yes. Et puis bon, Black Yo-Yo, m'a gagné le top 5 là. C'est top 5 Black là. Ça veut dire qu'on est point guard Magic, shooting guard Michael Jordan, small forward LeBron, power forward, m'a gagné Tim Duncan. Et puis, center, m'a gagné et M. Karim Abdul-Jabbar. Okay. À moins que Kounia l'organe a fait un agencement, sous dit que bon, ou pral changer position, même vle quitter le conseil moi-même. Ou mette Karim power forward et puis chaque center? Probably. Mais même pas si m'a fait équipe moi comme ça. Ok. Et ou même Grégory? Kèp, mwen a ilè, pite mda l'anvan, parce que kèp, mwen... Hey, ou te gen opsyon, mse te ba opsyon. Oui, te bon opsyon, mbat pou el vreman. Non, men, kèp, jèm si alè ala, oui, John Stockton, point guard mwen, Jerry West, shooting guard, oui, te vye. Oui, Larry Bird, et avec Nowitzki comme et small forward à power forward mais dans la place là des Divac là la place là des Divac là moi ça pensé Sabonis exactement ne pense à Sabonis tout oui mais oui on a pensé à Sabonis il y a l'autre option m'a metté mais bon anyway pour Black Yo bon anyway Magic Jordan ou met dit LeBron. Oui, m'a dit LeBron. LeBron na place donc que n'aime pas c'est mettre Malone. Et puis na place Karim n'a pas capable de mettre Olajuwon ou bien Shaq. Ah, Paul gen les pas d'accord. Paul gen les pas d'accord Malone. Non. Soit prend le talent seulement senti. OK. Ou ka Malone ka gon on edge sou Tim Duncan mais l'op pour accomplissement Tim Duncan il est difficile pour mettre un autre forward sous team il est extrêmement difficile pour mettre un autre forward sous team l'op prend par exemple qualité individuelle monsieur ou prend accomplissement monsieur j'aime se faire passation de et j'aime se faire passation de on leader à un role player par exemple ou bien lieutenant. Ça m'a extrêmement intéressant donc Tim Duncan est difficile pour que ou mettez quelque chose à l'autre monde dans sous lui. T'as moi fanatique et besoin n'a envie live là monter plus sur là parce que et nous ti gen mal géré nous jodi à là fanatique mal géré nous jodi à là. Ouais, tu n'as pas parlé en termes d'accomplissement, oui d'accord avant parce que c'est ça comme si c'est ça comme ça de parler de Tim Duncan vraiment comme si les accomplissements individuels et collectifs surtout. Et même malheureusement quand tu vas jouer sans jouer c'est vraiment et c'est une bagarre comme si tu fais que mes problèmes quand tu vas jouer dans les joueurs comme tu vas jouer par un bagarre mais ça vraiment un problème même parce que malheureusement c'est tout ça de jouer non pas au forward comme si négla sont capables de jouer un power forward capable de 27-29 points par match même. Et là, il vient d'appeler, comme si il augmente le niveau à la Jordan, 9-20 points normalement. Donc, pendant que comme si il a un CV, bon, il était un sport, c'est comme si il a comme point guard. Mais monsieur Chapman, I don't know, man. Individuellement, c'est bonhomme ça, man. Somebody extraordinaire, man. Extraordinaire. Et bon, ouais, et en bas live là, encore aller en bas live là, et bon, ouais. Franz Michel m'a dit qu'il a nous a dit que un joueur talentueux dans NBA dans basket. Sous base ça entre LeBron avec Jordan qui est-ce qui a plus talent? Bon, maintenant même on va l'envoi grave. OK, et moi même m'a dit que talent c'est ça ou gagner comme si qu'on fait avec. Ou pas besoin gain talent gain skill. Talent c'est ça comme si on d'ou ou vient ensemble avec comme si on d'ou ou compte. C'est-à-dire, ou pas besoin d'aller à l'école pour ça, ou pas besoin.
ou qu'on mate ballon, ou qu'on shoote, ou qu'on prend 3 points, ou qu'on dribble, comme si on a talent. Ça, c'est comme si Dado, depuis qu'on mange ballon, on a eu un peu de skills, c'est ça, le travail pour développer la dedans. Par exemple, il y a footwork, il y a jumper pratiquement, par exemple. Le bon, si on a comparé le bon avec Jordan, le bon est plus talent que Jordan. Vous comprenez? Le bon est plus talent que Jordan. Mais Jordan gagne un samta capable de il y a plus flair que le bon. Vous comprenez? Il y a plus flair que le bon. Il y a plus attirant, il y a plus belle. Oui, il est plus belle que le bon. Mais si on a parlé en termes de talent, le talent veut dire, par exemple, et rebound, et scoring, et passing, et blocking, stealing. On comprend, on a considéré comme si pas tout ça, comme si on comprend avec, bon, anyway, God given talent, le bon, comme si c'est musculation, comme si c'est monsieur bâti. On comprend comparativement avec Jordan. Monsieur paraît un athlète qui talentueux que Jordan. Vous comprenez? Mais n'a pas parlé de skills, Jordan plus skills que le bon. Le meilleur scorer, le meilleur skiller, le meilleur dribbleur, le meilleur jumper que le bon. Vous comprenez? Le bon gain est passing dans celui. Et le bon gain est IQ, oui, m'a dit oui, le bon gain IQ sous Jordan. Après ça, bon. Oui, mais je pense que Jordan est skill, mais le bon est talentueux. Le bon c'est joueur qui est talentueux qui passe dans toute histoire jeu là. Talent, ça veut dire que sous prend Jean le bon bâti et ça veut dire morphologie le bon. Donc c'est qu'on nous te dit déjà dans l'émission, c'est comme si nous avons son monsieur gain on power forward, on mindset point guard, on vitesse on shooting guard. Et puis ou joindre le bon James. Ça veut dire que et ça vient faire que talent ça monsieur gain vient faire que le ballon aide sous quel que soit monde qui vient en face. C'est maintenant et c'est ça qu'il faut après que le bon ca scorer dans même façon que il ca prendre bon par exemple, malgré il pas mettre mindset li vraiment pour aller prendre bon tant qu'on est tant que Russell Westbrook par exemple là sous terrain. Mais ballon vient plus easy pour lui par exemple là prend le bon. Okay. Donc ou d'accord que Westbrook lui même non Westbrook garde ça yo libre parce que comprendre différent par exemple pour le bon. Et par exemple mindset et point guard que monsieur Guillaume fait que lui a habilité pour passer ballon très très bien dans style on point guard et ceci à très très haut niveau. Et puis moi réfléchis sur IQ, IQ pas de doute sur le bon. Gain on IQ qui vraiment supérieur par rapport à on Michael Jordan par exemple, mais skills wise vraiment Michael Jordan supérieur. Par exemple sous prend et style Michael Jordan, footwork Michael Jordan et tout bail ça yo fait que de Michael Jordan on joue qui a plus skills que le bon. Donc moi d'accord avoir totalement sous point ça. OK, et en bas live là encore Michel Jerry, monsieur dit, t'es un débat tac ou tac qui t'es fait en CR7 avec Messi, sous même cause de talent ça tout. Et monsieur dit, c'est vrai que Messi a plus talent, mais est-ce que ne pas penser avec Tikras talent, pour me côté ça, monsieur dit, que Cristiano gagne, rive fait même bagarre, est-ce que ne pas penser que monsieur fait même bagarre avec Messi, si n'a pas cause face à face avec ça, pour ça, Cristiano fait avec talent, est-ce que ça Cristiano fait devant Messi parce que il est bon tout à l'heure. Bon, plus ou moins la comparer Cristiano talent Cristiano avec talent Messi, li mandé est-ce que nous pas penser que Cristiano fait plus avec ça que le gagné et par rapport avec talent contre Messi. Bon, la première chose m'a dit c'est que Cristiano pas gagné un petit crash talent. Mais ça qui passe c'est que lui évident que Messi si n'a pas les termes haïtiens comme tu dis qu'on jouer c'est-à-dire la façon de monde manier ballon comme de manipuler ballon le n'a pas dribbling et tout comme tu dis passing et autres et bien évident que comme tu dis Messi gagne plus talent cependant
CR7, c'est un meilleur travailleur. Parce que j'aime ce travail talent, comme si j'aime ce travail sur tête. Parce que pratiquement, CR7 a une faiblesse dans le jeu. CR7 juste pas une faiblesse. Même si pas une faiblesse, comme bon, excusez-moi, pas une faiblesse. Monsieur, c'est attaquant qui est plus complet que j'aime, ouais. Ok? Mais on a parlé de plus complet, c'est-à-dire, souprend, jeu de tête. Et déplacement, vitesse, et shooting, et des deux pieds, et coup franc, et c'est assez pratiquement là maintenant, c'est là, les comme si on a dit, soit on compte tout le monde tout simplement, comme si on joue qui prolifique, et qui gagne un pile panoplie en jeu, c'est assez pour prendre. Et oui, c'est assez fait comme si on a dit, comme si comparativement à Jean, comme si on a dit, moi-même, moi pense que, et le map fait classement all-time, le fait que Messi gagne un meilleur talent, hein, parce que gagne bagay comme Zindazo, bon, parce que mon Dieu crée nous avec, mon Dieu crée nous avec 5 gouttes, il va même longueur. Chaque gagne importance, pas yo, vous comprenez? Et CR7, gagne pas gagne un talent Messi, mais ça m'sieur fait, dans l'époque, hein, par rapport à Messi, pour m'sieur Kembe tête avec Messi, j'en sais pas. Pour moi, m'sieur manqué, m'sieur plus, Monsieur devant Messi le m'a considéré comme une date totale, ça me réalisé. Bon, moi n'ai pas le pas d'accord ça me dit, hein. Même qu'on est que et c'est assez réalisé comme si d'adou avec ça réalisé comme si monsieur pratiquement comme si manqué le plus que Messi d'après moi même. Oui, c'est là ça me dit, hein. Non, Grégory. Monsieur, on m'a qu'à l'époque là plus que Messi, Grégory. Et on nous pas fait ça. C'est ça, m'après. Et ça m'a toujours Abdou là. Ou essayer de réécrire l'histoire. Dans j'en comprendre. Et on série de réalité qui passe pour une réalité. On mette la réalité. Pas ou fait on l'autre réalité. Ok? On a qui prend 6 ballons d'or. Ça veut dire individuellement. Messi et marqué époque là plus. Maintenant, on a dit que Cristiano marqué époque là aussi et comme tu as dit aussi bien que Messi. Kounya là, on moun ki na vin ak argument, Cristiano Ronaldo yo ou parler de Ligue des Champions que le prend ensemble avec Real Madrid yo. Par exemple, le fait que monsieur ka fait triplé ensemble avec Real Madrid pendant que le meilleur joueur. Et même si m'pa ta vla rentrer dans détail pour me dire que Cristiano n'a pas toujours été le meilleur joueur du Real à chaque fois qu'il tape champion yo, et même dans finale c'est pas toujours une équipe déterminant, kounya ça c'est on l'autre détail kounya plutôt vin avec argument ça m'a discuté ça avoir ou le dit que monsieur manqué période là plus passer Messi parce que Messi et ça monsieur fait c'est le bas extraordinaire dans Liga à côté que ta Cristiano Ronaldo monsieur crasé Cristiano Ronaldo qui te ses goals qui te ses passes qui c'est et par exemple et spectacle que monsieur offre pendant que sous terrain football et moi aller contraire oui dans le sens que moi crois que nous utiliser mon talent mal on a parlé de joueur moi crois que Cristiano Ronaldo qui talent passe Messi Messi gagne plus habilité technique que Cristiano Ronaldo ça moi l'habilité technique là c'est capacité pour dribbler monde capacité pour passer ballon capacité relation direct ou ensemble ballon c'est ça mes habilité technique là et ligue là dedans tout ça crée les belles parce que Cristiano que Ronaldinho lui-même te mettait dans niveau esthétique ou bah extraordinaire lui-même le Cristiano avec le Ronaldinho à boule là ou senti son comme si m'bad du bon bavle sexiste son artiste sont artistes, OK merci le fait qu'on bon moi dans les disons terme sexiste merci le fait qu'on bon moi et Messi puis belle le l'a joué que Cristiano Ronaldo l'a regardé par niveau esthétique et Messi puis a bi la boule dans ballon pied Messi puis et passé boule dans pied bien par exemple que Cristiano Ronaldo mais Cristiano Ronaldo sous prend frappe de balle et ou prend frappe de balle m'a parlé de shoot long shoot court ou prend Cristiano Ronaldo vitesse sous longue distance par exemple. Moi, je crois que Messi est plus rapide sur coup de distance que Cristiano, mais Cristiano, sur longue distance, a battu Messi. Ou prend par exemple, détente, qui lui-même tout bas coup de tête, la détente verticale. Cristiano Ronaldo, ou pas que talent, gagne là de que le travail, il vient plus fort. Par exemple, Cristiano Ronaldo vient au meilleur buteur au fil du temps. Et ça veut dire que, et moi, je crois que tous les deux viennent meilleur buteur dans, avec le temps que j'ai ôté et l'a été fait commencer. Et lui expliquer, c'est pour moi que toutes ces rivalités de Nexa qui nous fait tous les deux. Donc, moi plus soit Cristiano Ronaldo, non, quoi, par exemple, LeBron James,
en termes de next hour qui j'ai au travail. Par exemple, nous avons une vidéo là côté LeBron James qui a commencé à travailler. Par une semaine depuis que il est champion, Cristiano Ronaldo c'est même mindset là tout. Maintenant en termes de skills, ou pour Michael Jordan qui l'a fini, vini avec Fenway là, Fenway Jones chat là pour que il oblige à l'en contact avoir pour le dominer. Et deuxième et tupit Michael Jordan, c'est dans Fenway Jones chat là. Donc skills wise, moi crois que Michael Jordan supérieur à LeBron. Même je moi crois skills wise tout Messi supérieur à Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo si sou pas dit que monsieur gagne autant de talent que Messi, moi quand même dit que monsieur gagne de plus talent que Messi, sou prend Jean comme monsieur bâti qualité que monsieur gagne yo. Non mais d'accord avoir et un genre vous dites là avec un découragement. Oui, nous avons d'accord. Ils m'ont obligé de l'en décourager. Parce que, comme si, vous n'avez pas parlé en termes de talent, comme si, talent veut dire comme si, soit gain, habilité qu'on gagne dans le jeu de la. Parce que, Cristiano vient avec jeu de tête, il vient avec l'aide de pied, vous comprenez, que Messi lui-même pas gagné, et vitesse, comme si sur longue distance, dans le jeu de bien, vraiment. Donc, Messi, oui, il gagne plus habilité comme si technique, vraiment, comme si nous avons une façon que la manie est ballon. Donc, nous avons avoir, dans ce sens-là. Oui, mais là, je parle de manquer, pas là, monsieur. Mais, en sérieux, là, ok, vous avez comme si nous avons dit que Messi gagne plus ballon d'or, il gagne comme si nous prenons que si à cette table, j'ai la même équipe ensemble avec elle, et que comme si nous avons dit, il prend plus, plus passive, il fait plus passe, il fait plus goal. Ok, nous avons avoir. Mais ok, même pour qui ça n'a pas joué? N'a pas joué pour gagner, right? Ça c'est yon. Deuxièmement, si n'a pas joué pour gagner, ça veut dire que CR7 gagne plus et Champions League en tant que meilleure équipe que Messi. Ça c'est un. Deuxièmement, et une chose que CR7 fait, c'est que, bon, et vrai, bon, et Messi lui-même, comme si, le fait que comme s'il n'est pas, il pas briller dans l'Argentine, genre qu'on habite. Où dit qu'il y a le plus Ligue des Champions et Ligue nationale, Coupe nationale, yo. Qui est-ce qui brille plus ça d'ailleurs? Ligue nationale, comme Ligue nationale? Oui, Liga, par exemple. Domination Messi CR7 là, son bas écrasant, alors que dans Ligue des Champions, pas comme ça. Et bon, dans Liga, nous, j'ai le même adversaire, alors que dans Ligue des Champions, il y a pas coup favorable. Pas de ça, son réalité. Non, réalité. Attendez. L'autre dit tout simplement dans les gars, il vient même adversaire là. Mais vous pouvez comprendre tout dans ce bail, même adversaire ça. Après, même adversaire, vous avez bien. Vous pouvez comprendre. Le premier exemple, comme Simdazo, il y a une équipe comme Simdazo, il y a bâti mieux pour championnat que pour. Non, mais Kounia là, vous dites équipe, ou pas dit joueur, non? Vous avez dit. Tout à l'heure. Et c'est pas comme d'accord avant nous? C'est moi qui m'a montré que. Même argument ça pas bon parce que n'a pas de deux joueurs qui dominaient et période bio non championnat ou dit que gay qui montait plus pour dominer en championnat qu'en coupe pas de problème avec non mais qu'on y a aura équipe on va parler de deux joueurs qu'on y a un allant joueur qui est-ce qui dominait en termes individualité plus dans la Liga à côté où tu joues ensemble pendant 6 ou 7 ans. Ok, mais Messi gagne avantage en ce sens-là. Et c'est pas même avantage, c'est pas écrasant. Messi buteur et n'importe 5 fois pendant monsieur là, monsieur meilleur buteur 2 fois quoi. OK, you know 2 fois, ça veut dire que monsieur c'est crasé, Messi crasé monsieur dans période ça. Non mais bon bagage pour comprendre, mais bon dit parole. L'autre dit que je joue avec même équipe. OK, je joue avec même équipe. Mais c'est comme si Barcelone avec Real Madrid, nous connaissons que comme si pas trois équipes, pas plus que trois ou bien maximum quatre équipes, comme si quatre challenges vraiment sous le championnat aller-retour. Oui, mais qui rapport, Grégory? Non, mais le même adversaire, yo tous les deux le même adversaire, et c'est pas comme si non, mais yo joue avec le même adversaire, mais ça me faut comprendre, c'est que la machine catalane fit mieux Liga comparativement avec et comme tu as dit ça. Équipe. Mais qui c'est pour qui ça dit le fit li mieux? Pour qui ça? Sur qui sont basés pour dire ça? Pour qui ça me basé? Non, mais parce que comme si Barcelone habitué avec championnat Liga mieux comme si Real pas habitué à championnat Liga. Non, mais pas même avec Barcelone. Bon, mais ça Grégory, mon cher. Allez. Non, pas même avec Barcelone. Oh, mais qui ça? Pour qui ça?
jusqu'à des par exemple Juventus, jusqu'à des dominations Juventus dans la Serie A, jusqu'à des Bayern dans la Bundesliga. Non mais par qui est-ce qui prend plus coup? Qui est-ce qui prend plus coup dans l'histoire? Jusqu'à des Manchester United et Ferguson et t'as dominé vraiment bon côté. Non mais équipe c'est l'équipe Just Before dans le moment. Équipe c'est l'équipe Just Before dans l'équipe plus bon joueur. Mais voilà, mais le Barcelone, ça pour comprendre. Ça pour comprendre c'est que pendant période CR7 vient dans Real Madrid là, c'est époque génération dorée espagnole là, c'est tap fait la pluie et le beau temps dans Barcelone et l'Espagne en même temps. Donc non, mais génération ça finit, ça non pendant génération ça finit, mais si style continue à être champion et génération ça et attention voilà, c'est là on va pas l'avoir. Parce que combien Messi t'a mené dans ballon d'or sous Real Madrid, sous CR7, le génération dorée, 4-1. Il t'a mené 4-1 sous CR7 et puis Kounegyo Kounyala Vindesse Kounyala équipe avant même genre encore. Puis et comme t'as dit ça, philosophie en toujours là, mais je vois pas là encore, mais ça vient passer. Non mais Kounyala vient égaliser 4-4. Non, ou même récemment dit là, ou avec Scapoli Grégory. Ou avec ça pour les, nous dans la Liga Espagnole, pas grand échange. Ou pas qu'à prendre la Liga Espagnole là, vraiment, parce que c'est pas la Liga Espagnole. Non, et quand ça fait le 4-4, c'est parce que Cristiano Ronaldo, pendant 3 ans, domine la Ligue des Champions, et justement dans le championnat ça, il n'y a pas de même adversaire. Adversaire est différent, contrairement à la Liga, côté que vous jouez avec, même quantité de monde, même quantité de match. Mais c'est crasé, monsieur. Non, mais Gombaye, vous comprenez. Écoute, attention. Moi, bon, plus je parle, vous dites, vous habituez plus. Non, après, non, on dit, vous avez plus de bagages championnats. Ou bien, vous avez Bayern. Avec Bosson, qui est plus Liga. Non, c'est pas ça. Non, mais ça, il faut comprendre. C'est que, l'autre dit, vous avez même adversaire là, dans Liga. Les adversaires qui a croisé dans Liga, avec adversaires qui a croisé dans Ligue des Champions. Ça, c'est au niveau. Pas une différence là. Ok, d'accord, adversaire Ligue des Champions de meilleur niveau. Qui ça okay. Explique Real par dominer la Liga? Parce que stabilité, y a pas de stabilité que Barcelone. Y a une stabilité pour jouer à équipe qui forme, mais y a pas de stabilité pour jouer à équipe qui ferme. Non, c'est pas ça. C'est mais que ça, mais non, là, la stabilité, ça veut dire. Mais ça me fait comprendre. L'habitué avec un championnat. Lorsqu'on comment pour gérer le championnat, comme si on comment parce que de qui championnat on parle, Liga ou bien Ligue des Champions? Liga. Ok, ça veut dire Real va conquérir, pour gérer Ligue des Champions, va conquérir pour gérer Liga. Non, c'est ça, il faut comprendre, c'est que il y a deux équipes comme si yo gérer championnat mieux que yo gérer coupe. Barcelone plus gérer championnat mieux que Ligue 1. Non, Grégory, pas aucune preuve scientifique ou qu'avine avec autre que yo adversaire yo pas même. Eh ben adversaire okay, adversaire Liga yo même pour tous les deux et dans ça Messi crase monsieur. Dans Ligue des Champions yo pas même adversaire. Ou qu'on est très bien dans coupe, gen ça aurait l'époque ou favorable à tout. Ou par contre ça Grégory. OK, pas favorable. Of course oui, gen pas favorable dans coupe. Non. Ça veut dire que donc Real Madrid a fait cette c'était pas favorable côté que yo prend 3 de la finale. Non, moi, je dis que gagner, ça aurait l'époque favorable parce que tous les deux pas gagner même adversaire. Ça veut dire, si Cristiano Ronaldo joue avec, par exemple, Dortmund, Messi joue avec Dortmund, pas de gagner un problème, non? Mais, il n'y a pas comme ça. Non, couple la différence. Mais, ok, Kounyala, même question sur ce côté, là, Kounyala, même à poser le tout. Yeah. Pour qui raison vous pensez que Barcelone lui-même n'est pas capable d'imposer la Europe, j'en ai fait domination là, dans la Liga? Non, il pas dominé en Europe parce que lui est perdu devant équipe battre équipe joue avec lui puis faut tirer sérieux. Non mais l'ordre dit Messi, ça veut dire Messi là, Messi perdu tout ensemble à Barcelone. Comment fait mais c'est ça qui passé. Même pas même comprendre parce que non mais pas même pas chercher excuse moi même pour me dire que non mais c'est excuse on chercher l'ordre nous a que non, il va pas dire pour gérer championnat. Ou pas bon que tout qui base ou dit que pas contre gérer championnat, il compte gérer coupe. Par contre, qu'une base son magasin juste voyant l'air, on ne pas. Alors, vous bien dit oui, m'pas gain base, mais comme si des ça les high test là, des ça comme si nous avons l'objet des statistiques, l'objet des comme si nous avons
comparé comme si nous avec le championnat, ou capable de aller. Oui, c'est vrai, je n'ai pas des bases comme si nous avons statistiques, comme si nous avons dit, comme si, ok, mais sur qui base, moins basé, moi, pour moi, dit samedi. Hein. Mais où est que Barcelone domine Liga, de même que Juventus domine Serie A, de même que Ajax domine. Non, et pas même bagarre. Juventus passe Barcelone. Non, Barcelone de 2006 à jeudi, Barcelone prend 3 Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas pour Juventus. Et Juventus, gros problème de niveau, tout simplement, lui-même. Juventus, niveau pour le taguer, pour dominer Ligue des Champions, le pas gagner. Bayern okay. Champion plus que deux fois dans ton sort palien là. Si n'a pas dans période Messi Cristiano Ronaldo. Non, la Kounia là wa font comparaison et championnat contre coupe. Moi même ça me fait comprendre. Ça c'est suite là pour garder comme si Ndadou c'est garder comme si domination yon équipe dans yon championnat. C'est pas seulement dans Liga ça répété, il répété dans plusieurs championnats majeurs, tant qu'on en Italie, tant qu'on en Allemagne. Non, Kounia ça fait pas d'accord ensemble avec vous. En Allemagne, Bayern pas gain rival. En Italie, dans Liga Real Madrid a Barça gain rival. Non, c'est une équipe. C'est une rival l'autre. Pour aller aux équipes, alors qu'on a parlé de deux équipes rivales. Oui, Real Madrid avec Barcelone comme si une c'est rival l'autre. Mais ils ont croisé seulement deux fois dans la saison. Non, mais c'est pas la poudre de Juventus qui croise deux fois avec toute l'autre équipe. Alors que ils ont pas rivalisé le même genre Real rivalisé Barcelone. Grégory, où est le débat ça ou pas perdu la chaque fois ou pas même besoin de finir avec ou comment ça peut être monsieur faut que nous mouvons sur l'autre base scientifique pour vous c'est vrai regardez mais parce que comment vous comprenez bonjour ouais écoute qui est Messi Cristiano c'est ça qui sauve Cristiano là de nuit c'est domination Ligue des Champions dernière année oui mais dans le cas contre on t'a dit Messi fait bagaille ça question Messi Cristiano on ne parle pas du tout non Grégory tellement Messi surclassé OK, on prend l'inverse. Est-ce que par exemple CR7 lui-même t'es exéco ou du moins comme si tu fais jeu égo avec la Liga avec Messi dans Liga. Je t'ai dit Cristiano supérieur à Messi. Ouais. Mais raison qui fait me dire que CR7 plus manquer époque. Là, c'est parce que Ligue des Champions, Ligue 1 en connotation qui est supérieure avec Liga ou bien quelque chose champion on veut prendre. Mais c'est si Messi pas jump champion Ligue des Champions, pas non mais Messi non mais voilà, c'est ça. Messi champion Ligue des Champions, Messi champion Ligue des Champions, Ligue 4 Ligue des Champions et côté que le prend 3 comme mettre équipe et ça dépend de 2600 c'est dignité qui te mettre équipe la donne. Mm-hmm. Mais ça pour comprendre c'est que pendant Messi a dominé tout pendant 12 ans, il pas jamais fait un back to back par exemple comme si finale. Ou connaît moi même question back to back on parler hein, pas aucun preuve scientifique qui montre back to back non mais attention back to back parfait on est prend on fait back to back on l'autre nèg prend 2 dans 3 ans pour moi même bagaille. Monsieur on fait 2 minutes encore après ça pour prendre l'autre parce que l'autre question rien pas live là tout. Non. Ah nous finir nous classer. On met comme poser là, on pose. En tout cas, oui, et Ronald Cademus, j'ai l'impression que ça c'était par rapport avec équipe blanche, je sais pas de côté nous mettez. Et non, c'est pas Ronald Cademus, non. C'est on l'autre ami m'a venu. Et monsieur m'a dit est-ce que Ronald Cademus, est-ce que Jason Kidd c'est pas best passeur de tous les temps? Non, best passeur de tous les temps c'est John Stockton. Gros ami qui te dit nous et qui est blanc? Qui pas blanc non? Qui blanc? Non, c'est pas dans débat blanc monsieur. Non, c'est pas ça, c'est moi qui t'ai fait oui parce que c'est Sébastien Steve Jambon. Monsieur m'a dit côté nous mettez Jason Williams la point guard blanc. Jason Williams pas la cause de tous les temps. Monsieur pas la cause. Jason Williams ready. Jason Williams son Denilson basketball. Oui. Si tu connais Denilson Okocha, c'est Jason Williams. bon moi et monsieur ça qu'on OK, t'as le puis qu'on jouait basket. Donc ça c'était dans talent, ça a été Fred François.
monsieur te vle nou pale de ki est-ce qui kon joue basket entre LeBron avec Jordan. Bon, c'est nous te fait ça, nous fait ça là bas talent tout, right? Yeah, et puis kon joue c'est talent et skill et c'est ça que fait, c'est ça nous parler de great. Yep. Pour Gregory Jordan devant LeBron comme si m'ta joue avec un great, pour moi même yo nan même table. Okay. Parce que côté Jordan supérieur à LeBron, LeBron supérieur à Jordan, côté gain bagage Jordan fait, LeBron parfait, gain bagage LeBron fait que Jordan parfait. Et pour moi même si aux deux a une tagadi l'autre dans jeu font fight heavyweight fight. Karim quand rentre dans mi-temps bah dit mon cher bon fait deux coups de poing tout et mais Magic yo quitté ça derrière. Tite ça mettait Magic derrière net, LeBron quitté le derrière net et puis Karim mis devant tout. Donc et on capable dire ça. Mais nous connaissons Grégory toujours bon bail contre le bon et la toujours pas posé mais nous connaissons. On connaît que Grégory contre le bon deuxième. Ah bon moi en bas live là encore. Grégory même répondre jamais. France Michel Edmond, qui ça une équipe que Golden State Warriors a besoin faire pour comme renforcement pour ta champion sur Lakers. Il y a besoin de bagaille. Il y a besoin premièrement en intérieur défense avec il y a besoin en troisième joueur qui capable et on scorer comme si dans le sens comme si qui capable on scorer à la Devin à la Booker à la et comme d'a dit ça. Il y a besoin d'un troisième monde. Super team. Ou besoin d'un super team. On connaît Golden State. C'est passé là. On intérieur defender plus Booker. Booker, vous connaissez ce superstar. Qui est-ce que ça? Non, sans ça. Son gros score quand même. Son gros score. C'est talent. C'est talent, les gros score. Ouais, d'accord. Oh, il y a encore, non? Non, mais d'accord ensemble avec vous pour Golden State Warriors. Parce que si nèg yo et puis ban yo pas bon encore. Ban yo pas une qualité du tout la donne. Parce que yo besoin quelques role player qui cap sorti sous ban. Parce que m'a regardé Golden State. C'est vrai que Stephen Curry avec Klay Thompson blessé. Mais m'a regardé moun yo met sous ban. M'a regardé moun yo met bon côté et Draymond Green yo monsieur. Tant qu'on passe Eric Pascal et yo gonse de l'autre joueur qui pas une qualité du tout. Alors, m'pa dit pas une qualité du tout parce que son NBA a une qualité quand même. Mais par rapport à standard Golden State, nous sommes les étapes champions avant Kevin Durant. C'est ton banc qui est long. Léo Gen Leandro Barbosa, André Iguodala, David West, Maurice Pate. N'a pas les deux joueurs qui sont capables d'utiliser n'importe qui équipe, star de n'importe qui équipe. So, c'était ça qui était force Golden State. Mais voilà, c'est ça. Bonjour. Et c'est ça tout, comme si Ndadou qui vient montrer comme si. Moi-même, où est-ce que ça passe? Moi, je dis non, bah, qui a étonné nous. Tout greatness. Curry, hein. C'est là le meilleur problème avec Curry. Parce que, une fois que, comme tu m'as dit, noyau, comme tu. Une fois que. Parce que, les mecs qui Ron Golden State 2015 avec 2016, Klay Thompson, pas, en 2015, c'est 15 points par match, je t'ai dit, non, final NBA. En 2016, c'est 16 ou bien 17 points qu'on t'a dit, non, final NBA. C'est juste là m'koué en 2019 là avant blessé à la m'koué il restait avec 26 points par match m'koué comme la donne finale NBA. Mais monsieur son est qui clé qui clutch, mais monsieur pas pesé vraiment en balance là en termes de scoring comme si au côté de Curry, comme si pendant nous connaît que Curry ca average 25-30 points par match, nous connaît ça ce niveau ou comment ça m'a dit. Mais Klay Thompson ou pas qu'a dit qu'on peut jouer 20 points en garantie ou bien plus comme tu l'as dit dans même. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que comme tu l'as dit, Golden State 2015 avec 2016, c'était une équipe en soi comme tu l'as dit qui était s'arrêter. Vous comprenez? Et là par exemple mon clé dans l'équipe n'a pas répondu. Curry avec Clay, même là comme tu l'as dit, il a pas produit assez pour compenser à déficit bench ou bien comme si d'ajout l'autre player tant que et Harrison Barnes, parce que 2016 par exemple Harrison Barnes c'est pratiquement c'est une raison qui fait que Golden c'est pas repeat, parce que monsieur vraiment passé à côté et c'est monsieur qui est supposé troisième meilleur joueur
et Golden State là, vous comprenez? Oui, mais mon tête dit problème avec Curry, problème avec Curry. Non, problème avec Curry, c'est que l'Ipaka, tout great là, l'Ipaka, comme si ôté équipe là vraiment, comme si Ndazo avec scoring ou bien, tout pendant les explosifs là, l'explosivité là, comme si l'Ipaka. D'accord, non, Grégory. D'accord, non, Mbazo, Stephen Curry par rapport à moi, Mbazo, monsieur gagne déficit size. Monsieur Pagan tempérament par exemple pour Allen Iverson parce que ou ka 7 defense pour déranger Stephen Curry plus que et par exemple Kevin Durant plus que Kevin Durant plus que on LeBron James plus que Michael Jordan par exemple size Badou monsieur équipe Cleveland Cavaliers c'est ça au fait même parce que Stephen Curry malgré Michigan n'a pas domino scoring me mais présence qui seulement sous terrain dérange Grégory mais moi crois que par exemple Kevin Durant qui a fait tout ça l'a fait là Stephen Curry pour beaucoup dans deux MVP monsieur a parce que ça crivé son équipe ou vienne pas cadre double team ou pas cadre double team pièce moon le par exemple mais tu as gagné Stephen Curry à Klay Thompson ou cadre double team Curry et puis mettre là vous nommez Klay Thompson ou dit bon Klay Thompson dégage au bat moins ou bien on dit wall player yo dégage au bat moins ce qui était ça fait par exemple en 2015 Cleveland tap champion si Iguodala la pas wide open presque à chaque fois pour le temps ton série de shoot Klay dans finale ça alors que le nèg vinn gagne Klay Thompson Stephen Curry soute Kevin Durant ou pas dans team Kevin Durant parce que soit dans team Kevin Durant Klay Thompson au bord Stephen Curry, mais yon go play, Grégory, moi quoi te kon play sa, parce que vous êtes fanatic Golden State ou yé, pendant plusieurs années. Fanatic Golden State ou yé, parce que vous êtes au point de battre le bon. Mais yon go play, RB, kote que yon répète play là à chaque fois, et li impossible pour ne yon pas jouer shoot la wide open. Ne yon cut, mais yon saute dans tête raquette là, yon pote, ne yon pote boule là, saute dans tête raquette là, li bay boule là, sous forward là, ou bien center, qui généralement Jerome Green. Jermon Green bay panier presque comme si Mdadou et campé de profil à panier et comme si Mdadou fait comme si pas fait passe là sous Elio et puis nèg si défenseur va bien set up Klay Thompson en face Jermon Green Poutio sous qui t'arrivé sous Klay Thompson qu'on a Stephen Curry passé dans sous onan il passé sous ligne de base là et puis passé dans P1 et puis vient sortir dans même tête là quelque côté sortir et puis Jermon Green fermé l'autre center bien fort qui sous-terrain enfermé et puis au fermé tous les deux nerveux Stephen Curry wide open ou bien Klay Thompson fait même bagarre là tout et au fait yo répéter le comme ça mais yo répéter soit équipe qui boit tête fait mal leur sous monsieur et ça fait en pile voir nous n'a minimiser Curry ou bien monsieur ouais Steve Kerr moi j'aime pas encore les jeunes bail ça playbook ça pour moi ils ont bagarre football américain lui il parle l'autre gens parce que nèg football américain fait ça tout le temps côté que nèg yo metto nous double pick pour empêcher défenseur à passer pour quoi le bac là qu'à à l'aise pour shooter pour moi même sur cette play football américain il pas parce que ça en baron ou le basket moi même et nèg yo fait yo répéter et ça vient faire que même sous ta le double team Curry ou pas capable Kevin Durant mais longueur lui même tout pas capable double team son équipe peut-être fait mal lui son équipe fait mal polo ou même avec Herbie non question pour nous yes qui ça nous penser pour qui raison nous penser Stephen Curry joue 5 NBA finals et puis le pas jamais MVP nayon m'a dit que et premier finale que li perdu que yo gagné que le pas MVP final là nèg yo concentré défensif sous lui et monsieur gagne difficulté parce par rapport à size tout simplement OK ou pas jouer une joueuse size ça yo autre que Hazard Thomas dominer équipe Jean dominer équipe et Hazard Thomas pour une raison ça c'est youn maintenant le monsieur vient jouer Kevin Durant là maintenant et Kevin Durant plus fort babal bay tête moment Kevin Durant plus fort que Stephen Curry et c'est ça qui est talent oui monsieur gain size qui empêcher moun bloquer le Stephen m'a regardé Kevin Durant en face monsieur même comme monsieur pas comme moun même m'te vous photo sur groupe là m'te wè monsieur son serpette bagaille ça m'a regardé pont douet monsieur pas comme moun c'est ouais le monsieur Durant là comme si c'était attend courant tarantule
on talent tellement minutieux long etc. Mais gars shooter monsieur son ex 7 pieds monsieur pas en blême dit vrai hauteur monsieur 7 pieds moi monsieur son ex 7 pieds monsieur oui et je vais dire ça comme défaut yo ba yo nous 2% moins 2% moins vrai size yo Kevin par exemple connecté avec Kevin Garnett Kevin pas 7 pieds parce que si nous tient 7 pieds le monsieur capé devant si nous tient ou du moins là prendre comme si là ba accolade. Je Mgaldzou, et DeMarcus Cousins, Algar Photo et NBM USA Team. Kevin Durant campé là dedans, il pique tout le monde, mais longue épaule lui. Les photos ça sont de Kevin Durant entre l'homme et l'idée Photoshop. Il pas d'accord ces hôtels. C'est son excès qui a shooté à tant pour plus mal que Stephen Curry. Et c'est pas raison, c'est pas sans raison tout. Monsieur c'est un joueur qui plus efficient dans l'histoire jouer là. Ça veut dire que côté que Michael Jordan le fait fait Noé Lien ou Castile dans figure les que Jordan fait ou pas qu'à jeune nickel soit auto il a center pas qu'à marquer et monde qui sous périmètre là pas qu'à marquer tout parce que toi au center ou même trop lent pour lui donc c'est ça qui explique que Stephen Curry pas prend et finalement MVP mais pas inquiète toi là nous fini aller nous reste 4 ans OK nous reste 4 ans l'un final qui nous a hein. Ou pas, il va pas les Lakers. Même si je même parler de Lakers, je vais mettre la dedans parce que je ne sais pas si je vais le tabager. T'as le bon mal sur cette question-là. Grand pile question qui a monté là toujours. Et Hayden Saint-Jean, monsieur, dit, par exemple, qui pique un jeu joué là que Messi, pour qui ça, il n'a pas jamais été Cristiano parmi grand nom, tant que Pelé, Maradona, Johan Cruyff, et. M'kwese ça, et monsieur dit ça. Pour moi, Cristiano top 5, hein. Et il faut pas bêtiser, pour moi, Cristiano top 5. On avait dit que Michel en mi-temps et Bari de Garincha. Non, qui Garincha? Non. Garincha sont belles joueurs et fort techniquement, etc. Mais, ok, mais Cristiano, ça, Michel, regardez, ça n'est pas fait dans le football là, je dis. Hein? C'est pas que je pense que nous avons besoin moins encore jusqu'à ce que nous mourions, non? Ok, ça veut dire que nous pas bêtiser. Regardez, même Neymar qui l'a parlé, nous avons besoin de Neymar, ceci, cela. C'est parce que nous sommes mis dans un tellement haut, oui. Et au style, pendant que nous avons un abdominé. Nous n'avons pas eu de nous qui ont 34 ans, je dis, après 35 ans. C'est nous qui avons parlé là. Et nous avons un style en forme. OK? Nous avons mis dans un haut. À l'époque, et Maradona a dit en lui-même, nous n'avons pas descendu dans la question de drogue. Fini presque. Et Pelé lui-même dans un grand monde. Pas de monde qui domine dans un niveau ça, je dis, comme ça, et dans l'histoire. Et. Bon, par contre, on est comment avec technologie, hygiène, nèg pral pi bon, nèg ap gen pi bon traitement, y ap ka récupérer pi rapidement, etc. Ça ka aide on nèg carrière pi long. Mais faut qu'on gen mentalité nèg ça, oui. C'est pour moi même Cristiano Ronaldo, c'est mentalité et je me suis dévoué kola jouet là. Et Cristiano même pour moi même Cristiano maximum moi quand accepte on nèg, mettez Cristiano pi bas, le minimum pour moi moi quand accepte Cristiano c'est top 10. Mais Cristiano pour moi top 5. Messi pour moi deuxième meilleur joueur de tous les temps. Et nous pas vraiment entrer dans le débat ça encore là monsieur. Nous pas entrer dans le débat ça là. Débat ça nous va faire la vraie. Nous la gêcha. Messi deuxième dame tout la gêcha parce que débat ça nous va faire débat ça encore là je dis. Comme ça fait mal. Merci beaucoup papa. Bon ouais et bon ouais qui est encore aïe aïe aïe. Et est-ce que équipe ça est France Michel Edmond est-ce que équipe Brooklyn avec Durant et Kyrie qui a dominé NBA saison pour l'année prochaine? Of course, il n'y a pas une équipe dominée. Oui. Il n'y a pas une équipe dominée. Au coup, ça va arriver. L'heure, ils vont en playoffs. Et par contre, qui adverse. Par contre, qui m'a mis beaucoup de négo. Qui pense qu'il y a moins quoi que Brooklyn a fait quelques moves quand même. Et il a fait quelques moves. Mais par un doute que la première équipe soit considérée, même si t'as Kevin Durant seulement dans Brooklyn, qu'on a vingt jeunes qui ont Kyrie ensemble avec yo. Of course, maintenant le domine NBA, est-ce que ça veut dire tout champion? Et par contre, pas sûr. Et si t'as voté équipe cap champion aujourd'hui, sans pour aucun mouvement qui fait, Brooklyn t'as sous liste peut-être tes top 5. Par exemple, si Pin dit Lakers et Clippers till Findi par exemple et Milwaukee parce que Milwaukee a tourné monsieur Baron ça même c'est dans Milwaukee hein. Troisième Findi Golden State parce que c'est Brooklyn et Miami et tout peut-être Baron qui mouvia pour faire et oui il y a pas une équipe qui a prétendu à petit Dieu.
Et puis, bon, moi, et il y a encore Michel Jerry. Est-ce que. Okay, non, nous sommes parlé de Warriors là. Par exemple, je dis, est-ce que nous pensons que les Warriors sont redoutables avec un bon draft et puis il y a un. Ah, Wing. Wigan, ça me gonti pour le Wigan. C'est ça que je pense. Je pense que Toyota essaie. Vraiment, je pense que Toyota trade font package deal pour voir Wigan aller et la Clippers pour prendre Paul George. Il était qu'à essayer ça. Ah, mon cher, si vous prenez ça là bon pour vous, là, ça va vous tirer plus pression sur Paul George. Il n'a pas besoin de deuxième meilleur score. Ça veut dire que monsieur avec les Thompson qui a deuxième meilleur score indépendamment de nuit là. Ouais. Et puis Stephen Curry, mon cher, il y a gagné là mais Draymond Green, Stephen Curry, sauf que ça somme il a gagné. Il y a still besoin de big man parce qu'il y a trop coûte. Il y a besoin, il y a besoin laisser aussi. D'après ça me donne, il va laisser approcher Dwight Howard. Nous connaissons qu'ils sont free agent. Il pas pour dominer de big man, mais Dwight Howard a peut-être fait travail comme si paint là. Bah on est. Mais problème là c'est qui est sous le mité. Oui. Par exemple, Andrew Drummond. Non, mais yes, c'est Cleveland, yes. C'est Cleveland. Il va à Detroit. De Cleveland. Oui, oui, Cleveland, monsieur. Oui, il était tué de monsieur Venami dans la saison. Et Cleveland, par exemple, Albert Drummond. Ben, monsieur va free. Et problème dans tout, Drummond avec contrat là. Drummond sur gros contrat, yeah. Ou bien, et Tristan Thompson. Oui, ok. Allez, bon, excusez-moi, monsieur, je suis obligé d'aller parce que pour le après, je suis mal. Excusez-moi, fanatique. Allez, je vous Allez, ma poule, on a fini l'émission là. Attends-moi, je vais changer cette table là parce que le deux monde. Ok. Là, c'est deux monde, cette table là obligé de changer. Ok. Nous gagnons. Est-ce que l'équipe Brooklyn plus fort que équipe Bucks là. Ça c'est Hayden Saint-Jean quoi qui pose question ça. Si c'est sous un par exemple et talent par exemple équipe Brooklyn n'a gagné. Oui, par exemple si m'a met Kevin Durant, Giannis, m'a prend Kevin Durant. Kounya si m'a prend Middleton, Kyrie, of course m'a prend Kyrie. Kounya est-ce que système beaucoup de monsieur ça yo a plus beau que système qui beaucoup de Janis là parce que système qui beaucoup de Janis là son super système hein et yo fini meilleur équipe NBA deux fois d'affilée si m'pas menti là et pendant que Janis extrêmement dominant la donne maintenant système ça il très limité tout parce que il tellement dépend de Janis une fois qu'on a contrôlé Janis système n'a mouri alors que pour Brooklyn ou gen la ka contrôlé de rien et Kyrie explosé dans mon ou ka contrôler Kyrie et puis Durant explosé dans mon et Dinwiddie oui. monsieur bon tout c'est bon Kyrie Levert dans l'équipe ça et yo gagné par exemple et un bon shooter moins quoi que Lakers gagne à fond Joe Harris monsieur progresse en pile de l'autre dans Cleveland monsieur était champion titre 3 points right ouais monsieur champion et concours 3 points à Anissa donc et donc son équipe même si système n'est pas extrêmement bon même genre système en Milwaukee extrêmement bon mais individualité que la donne yo pas gain limitation par exemple on Giannis gagne donc li pral intéressant pour nous vraiment qui genre de équipe ça va lier et pendant saison pour le moment m'a by edge là à Brooklyn par rapport à talent nèg yo mais maintenant et ba konnen qui genre système là parce que Kyrie c'est même nèg ça tout qu'a un système dans mon pendant que moi bon ouais et non attention moi salut monsieur et live là très live là intéressant puis lui et surtout en bas en commentaire donc nous souhaité en pile fois nous passer en bas live là tout nous garder commentaire parce que toujours à féliciter nous et ouais. Bon ouais et qui Jean ta oh Ronald Kadim monsieur font précision il dit là ça c'est là et Jason Kidd là parce que de tous les temps il va vouloir dire qui est-ce qui va plus passe mais il m'a dit est-ce que Jason Kidd c'est pas m'ai l'impression que je parle de skill en termes de skill est-ce que Jason Kidd pas plus skill parmi passeurs de tous les temps yo est-ce que c'est pas le meilleur et c'est skill c'est magic yeah c'est magic et par exemple magic bon passe à tout le monde lui-même et pendant l'année ou quand t'as dit magic c'est presque même ça le bon et comme tu m'as dit, je ne vais pas dire hérité de Magic parce que mon parent qui a une relation vraiment.
mais le bon c'est presque même si au contraire de toujours dire alors là je basket j'ai toujours dit ou pas sauter son pas dit contre son bras le fait parce que lorsque sauter par contre son bras le fait ou stopper les aboula dans mon ou c'est ça causer qu'on prend mauvaise décision et bien next ça yo défier principe ça yo sauté et yo ils vont leur dire OK m'a fait passer à droite OK non m'a fait la droite m'a fait la gauche OK bon bon shooter plutôt magic à LeBron maîtriser ça très bien ça veut dire que des fois quand on saute pour même quand qui décision à faire leur ils vont leur prendre décision ils prennent bonne décision l'autre bagarre encore toujours dit par exemple pas faire cross pass souterrain dangereux okay? Yo fait dangereux parce que le cas causer turnover parce que la passe dans main n'importe 2 3 4 moun et bien magic à LeBron défier principe ça eux même. Pour quelle raison? C'est parce que c'est size yo tout qui permet yo faire. Parce que le saute, yo kaga terrain mieux que l'autre, par exemple, sous point guard. Et yo gen assez puissance dans point yo pour yo faire passer à côté yo vle aller. Et donc, size yo utilise bah yo avantage ça. Et puis, le fait que tout yo ka saute yo retan l'air, donc, bien, yeah, m'en capable de dire ça. Et Kembe Pierre, monsieur pose une question très intéressante là. Monsieur dit, qui j'en oué Pirlo avec Lampard? Est-ce que nous pas oué, c'est un problème 11 titres? Titulé avec leadership qui a crasé Pirlo avec Lampard. Le dit leadership en dans équipe là. En dans équipe là. Bon, bon, ça me pense. Maintenant, quand Lampard, Lampard, c'est que monsieur besoin de temps. On a rappelé que ça a été monsieur commencé. Klopp arrive dans Liverpool, il n'y a pas monté une équipe extraordinaire l'année après. Nous avons un projet, nous avons un talent, et nous avons fait un bon achat. Songez que nous avons fait un achat pour Virgil van Dijk. Yo prend Alisson et yo prend par exemple Mané Salah yo prend brésilien comme terrain yo prend Firmino regardez nèg yo monte un bon projet et puis là yo vinn champion OK et monsieur font bagaille tout avec Henderson qui monsieur dans Liverpool longtemps mais monsieur pas de jambe dominer jambe donc monsieur prend il fait monsieur confiance dans mitan terrain hein? capitaine monsieur il vinn une équipe redoutable. Maintenant, Lampard, là, il est certain que nous tous avons un projet. C'est même Jean-Paul, exemple, avec Mikel Arteta, je dis à National. Nous avons un projet. Nous disons, qu'est-ce monsieur, nèg sa yo, yo gon bel projet. Nous avons un qui s'en souvient aller. Lampard, une équipe qui est très, très jeune. Et ce n'est pas sans raison, par exemple, Thiago Silva écrivait au bail monsieur, comme si un capitaine. Of course, nèg yo besoin leadership là. Yo besoin quelques vétérans pour mettre beaucoup de jeunes sa yo. Si yo ta avli, fait succès à plus rapide. Mes projets là nous well et belle donc et oui son problème de leadership et problème de talent parce que leur jeune ou pas forcément pral et produit ça ou penser qu'a produit nous dit que son belle équipe surtout parce que nous sont petit jeune qui a progressé qui gagne un gros match de progression ça qu'on dit petit jeune arrive dans route il ont pas produit ça que nous dépenser hein Barcelone va en pile. Non, pas Barcelone, seulement Argentine, c'est le plus gros. Non, pas menti ça. L'avait dit, l'on est jeune, il est 17, il est 18, il vient de dire, yak, gardons prochain Maradona. Maradona. D'ailleurs, nous avons cité Gallardo, nous cité Ortega, nous cité Aymar, Saviola. Saviola, peut-être même, il vient au niveau même supérieur, arrive au moment. Mais quand il mourit depuis 9 ans, il avait dit qu'il n'y a pas un calé même. Nous, ouais. Et Parkinson Pierre, il dit qu'il y a Bradley Beal dans les Lakers. Qui ça nous pensait de ça? Bon, nous sommes dit ça tout à l'heure. Bradley Beal, son projet très intéressant pour les Lakers. Maintenant, projet c'est contrat. Yeah, Bradley Beal, son joueur qui l'a piqué là, à un moment là. Et li attirant et monsieur bay résultat donc ça c'est moment oui, opportun pour monsieur capitulariser dans salaire li ou met parler oui et puis d'autant plus que monsieur prolonge l'année dernière ça veut dire que monsieur a peine fin exécuté première année contrat avec Washington donc pas bon qu'un intérêt pour monsieur dans l'autre équipe et puis d'autant plus que monsieur pas exprimé volonté pour quitter Washington et d'autant plus que l'homme se prolonge contrat vient joindre monsieur joindre chance que et John Wall blessé donc monsieur tout profiter tout montrer qui ça a fait si John Wall pas là avec qualité monsieur fini deuxième meilleur scoreur année et deuxième ou troisième meilleur scoreur année de James Harden donc et monsieur par contre il était requitté Washington Kounia si par exemple comme si m'dad ou livre style toucher même comme il toucher parce que m'baron qui équipe qui prend monsieur à quantité comme ça équipe qui prend monsieur yo déjà gain salaire cap très très haut
Donc, il y a bon, mais bon, bah, en termes financiers, bah, c'est mon mari qui est possible. Gapil question, certes, mais après toi, l'autre encore pour nous qu'a fini, parce que le a dépassé nous là. Et Magura, m'a combiné question ça pour Magura, parce que je me suis posé une question qui a rapport avec entraîneur au basket, donc m'a fait question Magura en seul. Donc, et comparé et coach qui coachait LeBron James avec coach qui coachait Michael Jordan, et est-ce que nous pensons si Popovic était coach LeBron, est-ce qu'il a perdu toute finale ça? Oui, probablement, non, mais maintenant, est-ce que le bon tout est réinvesti le coach ça? Parce que, parce que si le bon devait jouer pour Popovic, ça va aller dans San Antonio. Si le bon devait jouer pour un gros coach qui a un gros renommé, il va décider à la donne. Le bon, généralement, pas jouer pour coach. Monsieur, par exemple, quand on a un problème, c'est vrai qu'il dit que monsieur Talman dit pas Riley pour le vin coach. Ma ami, peut-être que monsieur dans tête il pensait que il pas aller ta bon meilleur coach que exposure mais pas connait moi-même pas connait est-ce que ça perd plus final ou non mais c'est certain si monsieur dans San Antonio au lieu d'aller dans Miami San Antonio champion sans que pas gagner le bon et donc ça veut dire que peut-être que monsieur t'a plus titré je ne sais pas peut-être je ne sais pas mais quand on dit c'est ça oh moun ki gen t'a conseillé en pile moun à regarder documentaire de Wayne Wade là si y a une possibilité si y a une ESPN Plus et son documentaire m'blié la gueule ça ça pendant Greg là ça c'est pas ou monsieur t'a parlé le Dwayne Wade même avoué que li dit et li est obligé le bon li dit le bon si vous êtes champion c'est pour mettre équipe là toute base oublier le Greg là rappelez-moi ça et puis monsieur bay timeline qui ça t'est fait et comment était fait choisir jouer ensemble dans tout donc t'es en conférence ouais. T'es en conférence call qui t'est fait entre Negio donc m'ta conseiller en pile légal regarder documentaire de Winwood là si sur ESPN Plus et puis deux autres questions Davidson Abilom monsieur dit qui move nous penser Clippers t'es qu'a fait qui t'es qu'a fait ou bien qui est-ce que t'es qu'a prend et pour y t'es qu'a et y a besoin il pense que y a besoin en big man tout oui il pense que y a besoin big man mais big en big man qui plus qu'a protéger maintenant il pense que y a Kakembe même noir y a gain là mais avec des ajustements parce que y a besoin picks y a besoin pick pour futur y a parce que qu'on y a là dans situation contractuelle y a c'est vraiment incertain et que y a gagner Paul George avec Kawhi Leonard la saison qui a venu parce que yo voit free agent et Jean Bagala a commencé depuis la première saison là nous pas connait est-ce que mariage là toujours continuer même j'ai le commencé le fait annoncer ouais. Donc c'est sûr que moi pense que Karl des pick yo gagner des atouts yo gagner Chamet qui sont atouts qui sont shooters que grand pile monde qui grand pile équipe qui a intéressé pour Chamet en tant que shooter. Paul George, c'est vrai que moi pas pensé que l'État doit quitter, même d'être très intéressé ouais Paul George. Peut-être la Golden State, mais en échange de plusieurs picks avec un joueur qui a égalé contrat, il a besoin de big men tout. À part de ça, il a besoin des role players qui certains. Lou Williams, c'est vrai, monsieur a une réputation et on est cap sorti off the bench, cap scorer 20 points et tout ça. Mais Lou Williams c'est quand même 33 ans quoi on va comme ça. Donc monsieur a pris l'âge. Donc est-ce que monsieur a continuer sur même pic là? Moi pense que il y a besoin sorte de rafraîchissement dans l'équipe là. Ouais, d'accord avec ça. Et puis dernière question, on a quitté les fonds là. Jusqu'au bout du look et garder émission bio t'ai fait hier parce que je me suis posé question bah 6 saisons Jordan pour ça 6 saisons comparé garder émission qui t'ai fait hier là et bon c'est ça ou t'ai gain là comme question ouais. Merci avec Fanatic qui t'a avec nous moi t'ai content rejoindre nous encore rendez-vous c'est lundi 5h30 m'bat même passer sur actualité mais il y a une actualité m'dans envie parler c'est Virgil van Dijk qui fait on qui ont blessure grave là qui va rater entre 7 à 8 mois qui c'est et rupture ligament croisé et ligament et ou bien tendon rotulien qui ACL là c'est tendon rotulien ACL là ligament croisé donc ligament monsieur gain en rupture ligament croisé monsieur absent pour 7 à 8 mois là et nous souhaitons monsieur bon rétablissement et puis l'autre nouvelle Donald Guerrier aider équipe li calé
et dans le championnat 3-0, monsieur a fait le premier goal là. Et puis, Nazon qui fait goal tout, Nazon qui marque le premier goal dans la saison, mais malgré ça, l'équipe a perdu 6-3. Donc, c'était ça nous avons pour aujourd'hui. Et dans le Taco Tac spécial pour Fanatique, merci à vous qui êtes branchés. Nous avons lundi. Bonne nuit. Et jeudi, c'est samedi. En pile, monde doit le fêter. Mais nous avons envie de rejoindre lundi en santé. Et donc, si nous avons conduit, pas boire. Et si nous avons boire, pas conduit. Nous avons lundi si Dieu veut. Yeah.